Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à vous servir de la formule Secondsid. Alors, à quoi elle consiste? Quand vous voulez faire une liste de nombres, par exemple, très longue, qui doit descendre très très bas, ça peut vous prendre du temps. Vous écrivez 1, 2, 3, donc comment vous voulez que ce soit formulé, et après vous prenez le petit rond bleu et vous descendez tout en bas. Et donc, si vous voulez aller très 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 bas, et bah ça peut être très 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 long. Donc, moi, j'ai découvert une formule qui me permet de le faire en 10 secondes. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Cliquez sur la cellule où vous voulez que votre formule commence, donc vous double-cliquez dessus, égale Secondsid. Ici, on va vous demander combien de lignes vous voulez rédiger. Donc, pour ma part, je vais mettre 500. Après, vous mettez le point virgule et vous allez pouvoir choisir sur le nombre de colonnes que vous voulez que ce soit rédigé. Donc, si vous mettez 5 sur les colonnes H, I, J, K et L, après, vous allez pouvoir mettre à combien vous voulez qu'elle commence, c'est-à-dire par exemple 10, et de combien en combien vous voulez qu'elle augmente. Donc, moi, je vais mettre 2. Après, vous fermez la parenthèse et vous faites égal. Et voilà, comme vous pouvez le voir, vous retrouvez le résultat avec les 5 colonnes sur lesquelles elles ont été écrites, avec le début à 10 et la suite qui s'ensuit.